unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Alors, M. Biden dit que les responsables ont du sang sur leurs mains, qu'il y a plus de 1 000 citoyens, des civils, notamment, dont 14 Américains qui sont décédés. To celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours, desperately trying to keep their children quiet to avoid drawing attention. And thousands of wounded, alive but carrying with them des the milliers bullet de blessés également, des gens qui ont été blessés. What they endured. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones, not knowing if they're alive or dead or hostages. Infants in their mother's arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust survivors. Plusieurs familles également sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. Ces otages contre tout traité international. Le Hamas a soif de sang et il s'agit d'un groupe pire que celui du groupe armé État islamique. Je suis triste pour le peuple juif et cela n'est pas nouveau. Cette attaque a ramené à la surface des souvenirs difficiles, des cicatrices de décennies de douleur pour le peuple juif. Aujourd'hui, nous devons être clairs comme de l'eau de roche. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous allons nous assurer qu'Israël a tous les moyens pour se défendre, défendre son peuple et répondre à cette attaque. Il n'y a aucune justification qui puisse expliquer ces actes de terrorisme. Il n'y a aucune excuse. Le Hamas n'est pas là pour défendre les droits des Palestiniens et leur aspiration à accéder à l'autodétermination. Il est là pour nuire au peuple juif. Ils utilisent des civils palestiniens comme chair à canon, sans même penser à qui va en payer le prix. Les pertes de vies humaines nous brisent le cœur. Et comme toute nation à travers le monde, Israël a le droit de répondre à ces attaques vicieuses. J'étais au téléphone il y a quelques instants avec le premier ministre Netanyahou et je lui ai dit que les États-Unis soutiennent une réponse rapide. Et nous avons discuté de l'état de nos démocraties. Et lorsqu'on agit dans l'état de droit, nos démocraties se renforcent. Nous appliquons l'état de droit en temps de guerre. Et aujourd'hui, des Américains à travers le pays prient pour toutes ces familles qui ont été déchirées par ce qui s'est passé. Bien des Américains savent ce que c'est que de perdre un de leurs proches. On se sent aspiré à l'intérieur de nous et on sent cette tristesse, cette colère. Ce sentiment de désarroi. Et c'est ce qu'on veut dire quand on parle de tragédie humaine. Ces atrocités d'une ampleur inimaginable, nous allons continuer d'être unis, de soutenir les gens d'Israël qui souffrent à l'heure actuelle et nous allons nous battre face à la haine, au terrorisme.
Mon équipe est en communication étroite avec nos partenaires israéliens, partenaires régionaux et partenaires à travers le monde du moment que cette crise a commencé. Nous apporterons une assistance militaire pour s'assurer que le bouclier antimissile israélien tienne le coup pour se défendre et défendre ses citoyens. Mon administration a consulté le Congrès de façon étroite à travers cette crise et lorsque le Congrès va revenir, on va leur demander de prendre des mesures concrètes rapidement pour être aux côtés de nos partenaires. Et ce n'est pas ici un enjeu politique, un enjeu partisan. Il en va de la sécurité du monde entier, la sécurité des États-Unis également. Nous savons maintenant qu'il y a des otages américains qui sont détenus par le Hamas. Et j'ai exigé de mon équipe qu'elle consulte des experts, des conseillers et qu'elle puisse contribuer de cette façon à récupérer les otages américains. J'ai à cœur la sécurité des Américains à travers le monde et nous avons également une volonté de renforcer notre position stratégique dans cette région du monde. Le navire Gerald Ford est dans la région à l'heure actuelle. Nous avons également des avions militaires et si besoin il y a, nous allons également transférer d'autres appuis militaires. Et laissez-moi dire à n'importe quelle organisation, n'importe quelle entité qui veut tirer profit de cette situation, ne le faites pas. J'ai un seul mot, ne le faites pas. Nos cœurs sont peut-être brisés, mais nous sommes résolument engagés à nous protéger. J'ai parlé avec nos partenaires allemands et britanniques, nos alliés européens, pour coordonner notre réponse. Cela vient après des discussions avec nos partenaires régionaux et nous prenons également des mesures à la maison, dans des villes à travers le pays, les services de police ont renforcé leur sécurité, les communautés juives sont plus aux aguets et nous travaillons étroitement avec les partenaires de la communauté juive et les services de police pour identifier d'éventuelles menaces locales aux États-Unis. C'est un moment aux États-Unis où nous devons nous rassembler. Nous devrons nous rassembler, entre autres, pour ceux qui ont perdu un proche. Et soyons très clairs, il n'y a aucune place pour la haine aux États-Unis, de la haine contre les Juifs, contre les musulmans, contre quiconque rejette l'autre. Ce que nous devons rejeter aux États-Unis, c'est le terrorisme. Ce terrorisme diabolique, comme nous l'avons toujours fait. Et voilà une des raisons d'être des États-Unis d'Amérique. Il y a une cinquantaine d'années de cela, j'ai eu une discussion là-dessus ce matin, d'ailleurs. Il y a 50 ans, en tant que sénateur, j'ai visité Israël pour la première fois. Je venais d'être élu au Sénat. Et j'ai fait ce long, long voyage. J'ai rencontré Goldmayer à son bureau juste avant la guerre du Kippour. Et je pense que la consternation pouvait se lire dans mon visage face à ce que nous anticipions qui allait arriver. On a marché à l'extérieur. Il y avait, à l'extérieur de son bureau, il y avait cette espèce de couloir. Et on m'a demandé si je voulais prendre une photo. Et j'ai dit oui, je l'ai suivi. J'étais silencieux. Je regardais les médias et je pense que les médias ont bien décelé que j'étais très inquiet. Et on m'a dit, ne vous inquiétez pas, sénateur Biden, nous avons ici une arme secrète en Israël. Et c'est ce qu'elle a dit. Nous n'avons aucun autre endroit où aller. Nous n'avons aucun autre endroit où nous enfuir. Depuis
75 ans, cette sécurité des Israéliens doit nous tenir à cœur pour empêcher que les atrocités du passé ne se reproduisent. Et soyons très clairs, nous allons soutenir le peuple israélien. Nous allons nous assurer que le peuple juif, que l'État démocratique d'Israël puisse se défendre comme il a toujours pu le faire, et c'est aussi simple que cela. Ces atrocités me font mal, me donnent mal au cœur. Alors, nous serons aux côtés d'Israël. Là-dessus, nous sommes clairs.